Bonjour. Donc moi, comme d'habitude, j'ai pas lu les consignes. Mais il se trouve que ça tombe à peu près sur ce que vous avez demandé. Donc effectivement, on va essayer de voir comment l'expérience que nous avons développée à Editem, et puis plus largement aussi dans nos vies de chercheurs, cette question de la recherche interdisciplinaire sur les sociétés, alors on va être au détail, parce que c'est ça qui concerne directement, face aux changements globaux, pourquoi faire ça, comment faire ça, et effectivement j'ai repris finalement le cadre que vous avez dit, des questions d'ordre général, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'interdisciplinarité, jusqu'au point de vue du chercheur, du singleton chercheur, en passant par l'organisation des unités de recherche. Alors, je suis directeur de la recherche au CNRS, je suis directeur du laboratoire Editem depuis bientôt 2 ans, et sur l'intérim de la direction de la Fédération de recherche en écologie et environnement des Alpes, que François a évoqué. Alors, je vais aller rapidement, puisque Isabelle a déjà fait tout le boulot là-dessus. Effectivement, ce brave chimiste, donc M. Kreutzer, ce brave chimiste de l'atmosphère, nous a un petit peu bousculé. En disant que si on n'arrivait pas à faire la géologie de l'humanité, ben on était vraiment pas bon et qu'on passait à côté du problème. Je l'ai fait très très rapide. Et il a proposé que les lunaires anthropozoïques, car on est un homme qui est un géologue, et qui nous disait que l'anthropocène pourrait avoir commencé à la fin du XVIIIe siècle, quand on a libéré des quantités impressionnantes de gaz carbonique dans l'atmosphère. Alors, les géologues ont essayé de s'emparer de ce concept et d'essayer de le travailler puisqu'ils ont été mis au défi. Et donc depuis maintenant une vingtaine d'années, ils cherchent à trouver le fameux clou d'or pour savoir quand on va commencer l'anthropocène. Alors je vais vous donner un point de vue assez personnel, en fait c'est pas très très intéressant. Personnellement, ça ne m'inspire pas très trop. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ce concept, il nous aide sans doute. Nous avons mis au défi d'unifier nos conceptions disciplinaires pour essayer d'avoir une vision qui embrasse globalement les sciences sociales et les sciences de l'environnement avec des... Alors ici c'est un truc que je fais depuis longtemps, depuis 2011, c'est un éditorial dans Nature, vous voyez, How to Manage, donc c'est des questions de gestion, des effets qui sont liés. Sciences transdisciplinaires, vous voyez, tous ces mots apparaissent dès qu'on parle de l'anthropocène. Et je trouve que c'est intéressant d'utiliser ça comme cadre, comme concept, qui nous pousse vers une forme d'unification de nos approches. Et puis j'aime bien citer ce papier de Costanza, qui est un économiste, et qui nous demande ce qu'on peut apprendre d'une histoire intégrée des hommes et du reste de la nature. C'est-à-dire que des concepts qui unifient l'homme et la nature, pour ça c'est pas non plus récent, c'est peut-être des années 2000. Et il parle aussi d'histoire, oui, on a la dimension historique, c'est-à-dire la dimension temporelle qui est là. Et donc cela nous pousse vers une écologie au sens extrêmement large, ce que j'aurais dit ici, en frappant l'étymologie de ce mot, hein, c'est la science de la maison, de comment est-ce qu'elle évolue, donc l'endroit où on vit, donc la notion d'écologie est effectivement. Qui se tient de la notion de société, unifiée donc, et aussi diachronique, puisque les évolutions dans le temps sont particulièrement importantes, parce que quel autre changement qu'un valeur utilisé par des tables. Alors, on peut essayer de représenter ça par des tables graphiques, ça a été fait plein de fois, ça c'est le cas, il vaut ce qu'il vaut. Vous pouvez distinguer dans votre socio-écosystème, vous pouvez dire qu'il est influencé par des contingences externes. Donc, le changement du système, c'est tout ce qui est changement global qui va s'appliquer sur l'endroit qu'on regarde. Alors, ça peut être du changement climatique, ça peut être des contaminations atmosphériques, ça peut être des espèces invasives. Donc, déjà, vous voyez qu'il y a de la chimie, il y a des activités humaines, il y a la biologie, tout ça, c'est vraiment finalement cette distinction-là, elle n'est pas disciplinaire, elle est simplement systémique. Et puis, vous avez des contingences internes au système. Le milieu, la géologie, la géomorphologie, le réseau topographique, comment est-ce que tout ça fonctionne, le monde physique, la biosphère évidemment, et puis les pratiques, les politiques et les réglementations,
Tout ça, c'est des choses qui sont également, ce bloc-là n'est pas discipliné. Alors évidemment, si on regarde dans le temps, ben, aujourd'hui, on voit ça avec ces pressions, ces contingences qui s'exercent sur notre système, et évidemment, tout l'intérêt des paléosciences ou des sciences historiques, eh bien, c'est de rendre les enfants pour comprendre comment est-ce qu'on arrive à cette instantanée. Je pense que ça a déjà été dit aussi pour ces termes. Et évidemment, à partir de cette compréhension de l'évolution et de la compréhension des processus en jeu, eh bien, c'est de cette façon-là qu'on pourra essayer de se projeter vers l'avenir. Alors, si je quitte ces considérations très générales pour revenir à pratique ou pratique, donc éditelle. Donc ça veut dire environnement dynamique et territoire de montagne. C'est une unité qui a été créée il y a maintenant une douzaine d'années. Donc c'est encore plus jeune que le cas. Un poil plus gros. C'est quasiment la même chose. Notre approche, c'est de travailler sur les trajectoires des sociaux, géo, éco, systèmes de montagne, avec un positionnement disciplinaire qui peut donner parfois. Quand je vous aurais dit qu'on est dans l'Institut d'écologie d'environnement et qu'il n'y a pas un seul qui est dans le laboratoire. Donc on est positionné entre les sciences de la Terre et les sciences sociales. Et un peu comme l'a dit François tout à l'heure, bah, notre interdisciplinarité, du coup, en dehors de sciences de la Terre et sciences de la société, on va aller la chercher à l'extérieur pour essayer d'évoluer dans ce concept-là avec les sciences de la vie et puis les sciences de la matière. C'est l'ambition de la Fédération de recherche dont François parlait tout à l'heure. Qui s'appelle donc Recherche écologie et environnement des Alpes. Et donc on va associer d'abord le BECA et le BECA. Alors si je relève là-dessus, on a créé ce lien ici, hein. Et puis finalement, ce que vous essayez de faire à l'extérieur, ça va être assez proche de ce qu'on fait là, puisque vous allez essayer de faire quelque chose ici. Et donc tous ensemble, l'enfrique, je pense qu'on couvre un large panel disciplinaire qui va nous permettre de nous concentrer sur la résolution de problématiques. Alors bon, c'est quelques chiffres, c'est pas très intéressant ça. Ce qui est intéressant, et ça a été déjà noté par François tout à l'heure, quand on est petit et divers, forcément, on est tous un peu unique. Et vous voyez qu'avec 35 chercheurs, enseignants-chercheurs, et puis les prêts sont complètement, 11 ITA, ingénieurs et techniciens, on couvre 6 sections CNU, 5 sections du CNRS, et 6 branches d'activité professionnelle. Donc autant vous dire que pour le directeur du labo, notamment à la question de la gestion de 6 branches d'activité professionnelle, c'est un vrai casse-tête. Alors, comment est-ce qu'on s'en réunit ? Puisque la question a été posée, et je ne connaissais pas la question. Alors, quand je suis arrivé, quand on a fait le projet du labo, il y a 3 ans, il y avait 3 équipes à peu près disciplinaires. Et puis on a essayé de travailler ensemble. Je me suis rendu compte que c'était assez difficile, qu'à l'intérieur des équipes, il n'y avait pas des positions épistémologiques qui étaient réellement partagées. Donc on a dit, tant pis, c'est pas la peine de forcer les gens à être ensemble s'ils ne veulent pas. Donc on a un petit peu démonté ce concept d'équipe, qu'on a transformé en concept très vague, un concept de groupe. Alors les groupes qui sont listés ici, c'est pas la peine d'essayer de lire, c'est de toute façon pas très intéressant. Les groupes ont vocation à faire que les gens se sentent bien ensemble dans leur cycle, dans leur activité. Ils travaillent ensemble, ils ont besoin de régler des problèmes, qui s'y arranger la pipette, des choses comme ça. Et c'est intéressant, et c'est rassurant, et c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire. Hein. Après, savoir compliquer là-dessus et savoir comment ça fait des groupes, c'est vraiment pas ce qui est plus important. En revanche, on a dit, ok, vous travaillez pour régler vos problèmes du quotidien, et on va essayer quand même de nous faire ressortir sur quoi on travaille nous tous ensemble, parce que si j'affiche à l'HCERS 8 priorités de recherche, chacune déclinée en 3 sous-priorités, c'est 24, ça commence à plus être des priorités. Donc on a défini 2 grands thèmes sur lesquels on travaille, changement environnemental de société, vous voyez que c'est très large, et retour sur le patrimoine, c'est également très large. La petite innovation organisation qu'on a essayé d'apporter, c'est que pour chacun de ces thèmes, on a essayé de définir ce qu'on appelait un thème d'ouverture. Alors pourquoi d'ouverture ? Parce que c'est un thème que nous allons résoudre à l'extérieur de nous. C'est organiser, formaliser un certain nombre de thèmes qu'on va partager avec d'autres unités. Alors ça peut figurer un petit peu ce qui sera dans Free après, le Free qu'on aura, n'existe pas.
et donc notamment pour faire retour à long terme des écosystèmes de montagne, qui est peut-être l'ouverture la plus active aujourd'hui, en France, on sait que c'est tout. Et puis on avait un thème, alors dit émergent, c'est étonnant, qui s'appelle trajectoire politique en montagne. C'était lié au fait qu'un certain nombre de collègues en géographie sociale, notamment, n'arrivaient pas à s'intéresser à ces thèmes-là, et voulaient avoir une visibilité disciplinaire, peut-être l'approche strictement concentrée sur leur thème. Donc vous verrez après ce que ça implique. Donc là, c'est intéressant de savoir que, en fait, quelle que soit la volonté de construire des choses un peu compliquées, de toute façon, il y a toujours un résidu, et finalement, c'est pas grave. Parce que ces collègues-là, ils travaillent, certes, ils ne travaillent pas beaucoup avec les autres collègues du labo, et finalement, ils font bon boulot, et finalement, ils sont dans un autre. Donc, voilà un petit peu, on a préféré acter qu'il y avait quelque chose d'un peu différent qui existait, quitte à laisser vivre. En laissant vivre, ça nous permet peut-être d'espérer avoir une émergence de quelque chose de nouveau, finalement, qu'on n'aurait pas pensé. Hein? Bon, je passe sur les questions. Alors, on va schématiser comme ça. Donc, les thèmes, vous voyez que chaque groupe, finalement, a des degrés divers, en fonction de c'est bleu, foncé, bleu, clair, va participer à la résolution de chacun des thèmes en travaillant ensemble, ou pas ensemble, à la limite, c'est pas non plus ce qui est le plus important. Comme vous avez vu tout à l'heure, il y a énormément à gagner à simplement travailler les uns à côté des autres. C'est ce que j'appelle la juxtadisciplinarité. Et ça, c'est très très intéressant. Moi, à titre personnel, ma géologie s'est complètement humanisée au contact de mes collègues. Ça ne veut pas dire que je vis avec eux. Il n'empêche que si je n'étais pas à côté d'eux, je n'aurais pas la même sensibilité aux questions liées aux activités humaines. Et du coup, il y a une véritable plus-value à simplement prendre le café ensemble, à simplement vivre les uns à côté des autres. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu forcer les gens à travailler ensemble, mais ce n'est pas forcément le bon indicateur, en tout cas au niveau de l'unité. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans ce thème changement de société? Alors, ici, c'est quelques exemples, on a vu, HC, etc. Donc, voilà, on travaille sur les paléoclimats, alors vous voyez qu'on fait des reconstitutions, bien sûr, on croise les archives entre elles, donc c'est des gens qui ont des approches différentes. Croiser leurs résultats, et puis la partie analytique qui est hyper importante dans ce domaine-là, et puis la dissémination des connaissances, c'est ici que se situe le côté sociétal, on va dire, et vous voyez que là, dans ce cas-ci, c'est pas beaucoup très les outils. C'est beaucoup plus développé sur les aspects de processus de versant, notamment sur les questions de vulnérabilité et de pratique. Donc on a des gens qui vont étudier comment est-ce que les cahiers bougent en altitude, hein, je vais faire un carré naturel. Et quelle influence ça a sur les sociétés, quelle influence ça a sur le tourisme, par exemple, sur l'activité économique du guide de l'économie. Vous voyez que par l'entrée thématique, finalement, on arrive à avoir des recoupements qui se font avec soit des gens qui travaillent vraiment ensemble à la résolution d'un problème, ou soit des gens qui travaillent les uns à côté des autres et qui s'enrichissent mutuellement. Ça, c'est notre fameux thème d'ouverture sur la trajectoire à long terme des écosystèmes de montagne. Donc, ça, c'est vraiment un exemple. Fascinant, hein. Puisque si je prends par exemple le cas des Zodiacales, c'est vraiment les socio-géo-écosystèmes super emblématiques des Alpes. Là, il y a plein de choses à faire. On travaille avec les gens qui produisent du fromage, on travaille avec les historiens des Alpes, les archéologues. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis récemment, avec mon collègue, les cas pour la partie écologique. Même chose pour ressourcer patrimoine, je vais pas le faire rapidement. On travaille sur la ressource en eau. Alors, la ressource en eau et la quête de la gestion intégrée de l'eau, c'est l'exemple phare, peut-être, des recherches particulièrement nécessitant de la recherche collaborative, de la recherche action. Bon, il y a pas autre chose, mais ici, ça, c'est une réunion publique, par exemple, animée par l'eau de l'eau des arbres qui s'est impliquée dans le processus. Donc là, on a beaucoup d'actions en lien avec ce qu'on appelle la recherche action collaborative. Et puis également de la mobilisation, ça c'est un jeu sérieux qui a été développé sur la gestion de l'eau, et puis des choses très on va dire, si on veut, quoi, de mobilisation et de mobilisation. Et puis on est en train de faire monter un thème autour des mines, et les mines comme centre d'activité des sociétés, quel impact ont les mines sur les sociétés et sur l'environnement. Et ça, justement, c'est aussi
quelque chose qui génère des projets interdisciplinaires hyper intéressants. Et enfin, les palafites. Alors les palafites, c'est une mauvaise représentation, mais les palafites, c'est des habitats périlacus de l'âge du bronze. Il y en a tout autour des Alpes et l'ensemble de ces sites archéologiques a été labellisé au patrimoine mondial de l'UNESCO récemment. Et donc ça pose plein de questions, non seulement d'archéologie de manière évidente, mais aussi de qu'est-ce qu'on fait de ces sites, comment est-ce qu'on fait patrimoine avec ce type de site qui aujourd'hui est quasiment invisible. En fait, tout ce qu'on voit, c'est des bois plantés au fond du lac. Et donc comment est-ce qu'on fait patrimoine avec ce type de choses et quel bénéfice un tel bois peut en tirer. Et ça aussi, c'est des questions qui sont extrêmement interdisciplinaires. Et donc le dernier thème, c'est trajectoire politique en montagne. Vous voyez qu'il est beaucoup moins abondé par les groupes. Et je vais avoir aussi beaucoup de mal à vous décrire la manière dont ça a été présenté par mes collègues de ce thème. Je vais bien, comme ça, j'en parle pas plus. Je vais vous lire pour rien. Et donc, alors pour terminer, je vais faire un petit exercice à l'échelle du chercheur. Qu'est-ce que l'interdisciplinarité à l'échelle d'un chercheur? Alors j'ai pris un chercheur au hasard, avec une liste de publications, donc ça me faisait un corpus de 71 publications sur 15 années, et j'ai voulu essayer de regarder ce chercheur, comment on va évoluer ses publications et ses collaborations, voilà, de ce prisme-là. Alors donc ce chercheur, il y a un chercheur en géosciences, il y a 60% de ses publications où il n'y a que des chercheurs en géosciences qui ont participé, et lui 6% avec des archéologues, 6% avec des chimistes, 24% avec des biologistes, 2% avec des archéologues et des biologistes, 20% avec des chimistes et des biologistes, et puis vous avez même des pourcents, bon la liste c'est quand on a en liste, hein, de géosciences plus chimie, plus bio, plus gestionnaire d'espace protégé. Alors, bon, ça montre un camembert, mais avec ça, on ne fait pas de la dynamique. J'aime bien quelque chose en fonction du temps. On vient regarder en fonction du temps un petit peu qu'est-ce qui s'était passé. Alors, si on découpe ici le temps, on voit clairement que pendant sa thèse, ce chercheur a travaillé avec les gens de sa discipline. Jusque-là, ça paraît assez logique vu la date. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sera un peu différent. Enfin, il faut que ça se passe comme ça. Alors, évidemment, le orange passe mal sur le noir. Ici, il y a écrit projet incitatif interdisciplinaire. C'est un projet incitatif interdisciplinaire, il est orange. Orange, c'est le code pour archéologie. Et donc, ce chercheur en géosciences s'est mis à travailler avec des archéologues à partir de ce moment-là. Et vous voyez qu'on voit apparaître des petits points ici. Ça a généré quelques publications avec des archéologues en collaboration. Sur l'innovation, on voit l'intérêt des projets incitatifs interdisciplinaires. Puisque à l'issue de ce projet incitatif interdisciplinaire, à l'époque c'était le programme Eclipse, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, et bien ça a généré, lorsque l'ANR a été créé, un programme ANR interdisciplinaire qui lui-même a généré quelques publications interdisciplinaires. En vert, c'est tout ce qui touche à la biologie. Et donc vous voyez que, de la même façon, projet incitatif génère ANR, et puis un nouveau projet incitatif. Et là, on voit beaucoup plus de verre apparaître. Le truc nouveau, c'est ces deux publications, hein. C'est des publications avec les gestionnaires. Ça, c'est un fait qui peut être assez nouveau, duquel on n'a rien fait pour que ça se fasse, et que ça s'est opéré. Les gestionnaires d'espaces protégés, aujourd'hui, sont intéressés à publier dans des revues scientifiques. Alors, c'est pas un lecteur, c'est pas un petit lecteur, ça ne sert à rien. Mais ils écrivent, ils prennent la plume, ils écrivent avec nous de. Je dirais que ce n'est pas réellement des articles scientifiques qui présentent de la donnée, mais c'est des articles qui présentent la démarche de travail entre eux et les scientifiques. Et puis un petit point que j'ai voulu noter, c'est que dans la carrière de ce chercheur, il n'y a que deux articles dans le gras, le chercheur, nature, machin, et processus de. Contre-nous la Académie des sciences américaines, donc il y a deux articles comme ça, hein, un petit peu de classe, et bien à chaque fois, regardez, et c'est la seule fois où il y avait trois disciplines. Géosciences, chimie bio, géosciences, archéo-bio.
Déjà, j'ai trouvé ça assez intéressant, finalement. Et quand on n'est pas un génie, on peut compenser ça par des choses hyper originales, et finalement, ça peut fonctionner. Alors, si j'en viens maintenant au nombre de publications, non pas sur la somme des disciplines présentes parmi les co-auteurs, mais la discipline du Nulla premier auteur. Mais dans la carrière de ce chercheur, on voit que, pour déjà, on a une grande majorité de publications de sa propre discipline. Et puis on voit que parmi ses collaborateurs en dehors de sa discipline, les décologues ont l'air particulièrement efficaces par rapport aux chimistes, mais vous voyez que la dimension de sa chaîne est disparue, puisque aucune de ses publications n'est a eu comme premier auteur quelqu'un en sciences sociales, enfin, en sciences humaines en l'occurrence, c'est marqué. Alors ça donne quoi pour l'évolution dans le temps? On voit qu'il y a un délai intéressant entre, on va voir du tout parce qu'il n'y a pas de premier auteur en archéologie, donc on ne voit pas de range. Et on voit qu'il y a un délai assez court entre les projets et la publication par un premier auteur de l'autre discipline. Ça, c'est un truc intéressant. Et ici, ça s'est reproduit encore, projet incitatif, paf, le délai après, tout de suite, un premier auteur en dehors de la discipline. Et puis on voit aussi que les projets interdisciplinaires vont générer sur plusieurs années après, beaucoup de publications. Et ici, vous voyez que ce chercheur-là a vu grandement augmenter le nombre de publications par an du fait de cet apport de l'interdisciplinarité. Et c'est vrai pour ses propres, enfin, les autres disciplines, comme pour la sienne. Voilà. Alors, pour conclure, de mon point de vue aujourd'hui, les principaux freins à l'interdisciplinarité ne sont pas du tout épistémologiques, je ne crois pas. Les principaux freins sont d'ordre culturel. Et j'en suis à peu près convaincu pour le voir tous les jours, d'autres fois, dès que vous avez fait avec les rouquins. C'est parfait. Il n'y a rien à rajouter à ça. Ah ben non, mais moi, c'est pas pareil. D'autres fois, vous en avez, mais moi, c'est pas pareil. Donc, sachez-le, ne dites jamais, moi, c'est pas pareil, parce que de toute façon, je ne vous croirai pas. Ce que j'ai constaté, c'est que la coopération est un moteur puissant de l'innovation scientifique. Et j'ai une coopération et j'ai des bras. Je pense que j'ai peu de courage, je vous le dis. Coopération et bienveillance. C'est deux mots hyper importants. C'est les mots les plus importants de la recherche pour l'instant. Il n'y a aucune raison pour laquelle le géologue serait en compétition avec le sociologue. Strictement aucune, à part pour nous le faire croire. Donc, cette coopération, c'est un moteur puissant de l'innovation scientifique. Et en plus, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Vous avez vu le chercheur dont vous avez montré l'exemple, qui double de sa quantité de publication, donc il gagne en renommée, et puis il gagne en etc. Donc ça vaut le coup. Donc j'aurais envie de finir par, sans vouloir être grandiloquent, par cette petite phrase de Sénèque, tant qu'à faire. Enfin, je vous dis que j'ai été humanisé, carrément, l'apport des collègues. De la culture au frustre géologue que j'étais. Donc, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est bien parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Et en interdisciplinarité, c'est exactement ça. C'est exactement ça, il suffit de le vouloir, d'être bienveillant, d'être d'écouter son collègue. C'était vraiment parfait ce que vous avez dit à Richard sur le fait que vous commencez par s'écouter, pour respecter l'autre. Vous avez vu que, pour moi, un critère de réussite, c'est plus le fait que à partir de la même étude, le biologiste a publié dans l'écologie, l'éther, et le géologue a publié dans son truc à lui, ça c'est bon. Si tout le monde se met derrière l'un, et puis suivant la roue, ça c'est vraiment réussi. Donc voilà.